Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour une petite partie de Overwatch avec Neko. Bonsoir Neko. Yo tout le monde. Bon bah moi je vais prendre heal hein, étant donné que ça marche plutôt bien. Mavoira. Après c'est vrai que là on est retombé du côté bronze. Hein. Moi j'ai toujours pas monté mon grade. Et le premier match que je viens de faire, je l'ai paumé. Putain. Ah bah. Et c'est tenu qu'à un mec. Hein. On avait un mec qui était Bastion. Et le mec, genre, c'est le Bastion qui pose son cul à un endroit et il meurt. Il appuie même pas sur la touche. Pourquoi ça m'a déconnecté de Moira? Non. Je vais pas comprendre la fait ça aussi à chaque fois. Je n'affectionne pas de régler les problèmes en personne. Mais je ferai un sorte de guérison. En fait, j'ai l'impression que. Le flingue d'Ivoque que j'ai. Le flingue qu'il y a dans le clip là, putain, on fait. Il est super bien fait, c'est le. Bah, il est pas officiel, mais. Non, c'est même pas un truc de Blizzard en fait. Mais c'est un truc qui fait des répliques en fait. Et au début, je croyais que c'était une contrefaçon vu que je l'ai eu sur Wish. Mais même pas, c'est un mec qui les achète en gros et qui les revend. Non, mais vraiment, des fois sur Wish, t'as des bons trucs. Mais il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est bien et les grosses merdes. Mais reviens, Goku! 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 T'as pas l'ultra instinct! T'as pas l'ultra instinct, reviens! Bah, il l'aura dès qu'il aura 100% de son vue. D'ailleurs, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un mod pour Overwatch dans les trucs de mod où tu peux jouer Bob. Ah ouais? Ouais, mais en fait, c'est juste que tu as Bob. Au moment où tu largues Bob, Ash disparaît du terrain. Tu deviens Reinhardt qui fonce. Ah! Et une fois que Reinhardt a foncé, en fait, tu. Comment? Tu deviens soldat avec son ult. Mais tu peux pas bouger. Qui demande? Ah ouais, mais bon! Je suis désolé, mais là t'as Shy. Hein. Non, c'est beau, je l'ai raise. Non, mais je parle de l'autre qui est là-bas au bout qui demande du soin. Ah! Mec, tu te la racontes tout seul au fond d'un trou. Moi, je suis désolé, mais je vais pas aller me casser le cul à essayer de te sauver la vie pendant que le point est attaqué. Je me méfie de la fatale. Je vais la voir. Et putain, de boule qui part pas. Merci. Mon ulti attend d'être déchaîné. Je régénère. Putain, mais. Non, mais ils se dispersent trop là, ça va pas. Mais ouais, mais là, ils quittent le point tous. Je me fais abattre par le sniper. Faut le reste. Ah putain, nique sa mère. C'est bon. Ils attendent quoi pour aller chez moi? Bah on y est là. Alors c'est son nu. Et là on a un Baptiste. Reinhardt qui se casse. La diva qui se la raconte avec son petit flingue qui fait aucun dégât. En fait, c'est tous des mignons petits chibis qui viennent m'attaquer là maintenant. Aïe. Ça me dérange pas de l'huile, mais s'il va s'attaquer à trois personnes en même temps, ça va pas le faire. Donc, un Reina. Merci cochon. Putain, je suis en feu là. Oh putain, élimination, victime sur objectif et temps sur objectif. Je suis en soin. La réalité se plie à ma volonté. En même temps, c'est normal, toi t'es genre la personne qui, quand elle appuie sur soin, le soin va directement sur les potes. Moi, faut que je vise. Ah mais des fois je suis un gros connard, dès que je vois un ennemi qui a plus de vie, je vole le kill, je m'en bats les couilles. Ah mais il faut hein, sinon
tu fais comme toutes les autres divas. Non, toutes les autres, pardon, désolé, lapsus. Toutes les autres anges qui sont en mode non, je dois te soigner tout le monde. Non. Quand tu es en danger, n'appuie pas sur soin en regardant l'ennemi en mode oh mon dieu, que quelqu'un me vienne en aide. Ah. Tenez, prenez ça dans votre bouche. Quoi? Je fais des bulles sous l'eau. Planque-toi. Laissez-moi enfiler mon armure. Non. Je suis désolé, mais non, on va pas te laisser. Oh, il y en a un qui a quitté. Chez nous ou en face? Oh non, chez nous. Heureusement, ça compte pas. Heureusement, ça compte pas. Ah mais là, s'il se reconnecte pas, on va être dans la merde. Sincèrement, on a fait 100 faucheurs tout le long. Hein. Ils étaient toujours de leur côté à crever et à revenir en mode « J'ai besoin de soin !» Non, on me dit pas que c'était Faucheur. Non, Faucheur il est là, Lucky Pence. Si tu remontes, tu vois que Lucky Pence demande est-ce que quelqu'un pourrait me soigner s'il vous plaît. Healing please, voilà. Quand il... Non, c'est Skull, pardon. Je pensais que c'était lui parce que... Non, ou alors c'était lui, mais quand il était au loin. Pourquoi la violence serait-elle la réponse à tous les problèmes? Furance. Belgium. Génial, plein de soleil. Nope. Jamais la même une fois qu'on a vu ça. J'adore celui-là. France aussi. Et l'autre, il fait Belgique avec un petit cœur. RPZ, la langue française. RAC RPZ, tu l'as niqué la langue française. C'est fait exprès, hein. RPZ, la langue française. Oh. C'est le truc bien con, bien. Alors, je parie combien qu'ils ont l'infinité décimale. Bastion, Torbjörn, Orisa. Voilà. Oh bah non, ils ont juste Orisa. Oups. Bon, ils sont distraits par le singe. Ok, ils surveillent de très près leur coin. Boule! Merde, ils sont invincibles. Ah, c'est pour ça que je tire sur le truc. Mais moi, je peux pas. J'ai pas réussi. On est mouru! Bon, on a au moins fait une chose qu'ils ont jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Enrique rejoint la partie. Ah. Mais pourquoi il joue Zenyatta, ce con? Ouais, bon, écoute. Vas-y, hein, on a besoin de la diva légendaire, je pense. Ouais, mais sauf qu'il y a déjà deux tanks. C'est quoi, regarde. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tu les pirates. Et t'attends qu'ils soient tous sur le... qu'on arrive sur le point. Et tu fais gna gna gna. Ah merde, mais comment il a vu que j'étais là? Puis non, vous ne mourrez pas les Chinois. Nya. Il faut que tu faudrait que tu pirates Baptiste. L'angle d'approche n'était pas le bon. Ah merde, putain, mais ça m'énerve aussi, son marteau il me touche même pas, mais je crève quand même. Putain, mais nerfez-le quoi. Je suis prête à déchaîner ma coalescence. Je suis à 47%. On a juste un tir du point coupé. Distraction. Regardez-moi. Bon, le Baptiste, tu veux que je... En fait, le Baptiste, il faudrait le pirater
comme ça il pourrait plus nous envoyer son onde d'immortalité, et à chaque fois qu'on attaque au moins on pourrait en buter un ou deux. Parce que moi je suis arrivé beaucoup de fois sur des mecs qui étaient à moi, qui avaient presque plus de vie, j'aurais pu les grignoter. La sérénité s'offre à vous. Y'a plus qu'au Rissol. On l'a. On a le point, on gagne là. Y'a personne. On a win comme des BG. Esprit sportif. Les bestes, oh là là. C'est quoi ce qui coule là? Eh, 4 médailles. En étant tout de même un bon soigneur. Est-ce que tu as vu la Divine cette fois? La Divine Me? Ou la Note? Non, la Note. Non. J'ai même pas vu qu'on avait une Divine, là je viens de le voir. Oh putain, or en élimination, victime sur objectif, temps sur objectif et soins prodigués. Parce que là, l'ange est parti, j'ai gagné. Mais c'est trop con. La Moira, il fallait encore toute la gloire en mode à moi, c'est à moi. Moi je m'en bats les couilles tant qu'on gagne, c'est le principal. Ah oui. Parce que j'en ai ras le cul qu'on perde à chaque fois parce qu'il y a des gamins de merde qui savent pas jouer là. Ou des Kikou qui disent GG de BG. On m'a pris Diva, tu veux que je fasse quoi? On m'a pris Diva. C'est qui fait le machin de la Seconde Guerre mondiale quand les attends ils arrivaient. Et aussi celle de l'étrange Monsieur Jack. J'avoue. Tu sais, quand Jack a disparu, il tourne là de la queue du chat. On dirait vraiment un chat en colère quoi. Ouais, c'est ça. Je n'affectionne pas de régler les problèmes, mais je ferai en sorte de les résoudre. Bon, moi je vais me mettre dans ce coin-là et je vais danser jusqu'à ce que vous ayez gagné. Prêt? Go! Téléporteur en ligne, nous avançons rapidement. Entendu! Oups, I did it again. D'ailleurs, tu sais que Miley Cyrus a joué dans un épisode actuellement de Black Mirror. Ah ouais? Oui. Elle fait une pop star exploitée par une maison de disques. Ah ouais, il y a même une poupée robot dedans. Oui, je sais pas et quoi. Elle a. Je me disais que l'avais vu. Implanté sa tête dans. Enfin, son cerveau dans un robot. Mais qui est bloqué. Bloqué sur sa personnalité de. Dana Montana, hein, soyons très clairs, je suis presque sûr que ça a été écrit rien que pour elle, quoi. Non, sincèrement, une pop star qui porte une perruque, parce que c'est pas une coloration, c'est une perruque sur scène, qui fait pleurer les pisseuses de 15 ans, et qui a une personnalité dépravée, rock'n'roll et tout ça, là, c'est elle. C'est genre, ils ont fait le scénario, ils ont fait, bon écoutez... on voulait Lady Gaga, mais finalement c'est une pop star qui met une perruque sur sa tête. Je crois que ça vous convient mieux. Oh putain. Et pourquoi je suis tout seul là? Bah parce que le convoi avance et du coup nous on est sur le convoi. Bah non, j'étais sur le convoi, je suis mort. Bah le convoi a déjà avancé plus que ça maintenant. Ah, je me fais voler Diva par un mec qui s'appelle Axel. Mais putain, mais... Pourquoi est-ce que à chaque fois que je me retrouve face à quelqu'un, je n'ai plus aucun pouvoir? C'est genre, dès que je suis face à quelqu'un que je pourrais abattre avec une seule technique, toutes mes techniques sont en mode déjà utilisées. Non. Mais pourquoi moi, putain? Oh mais tu crois que t'es vraiment à plaindre? Je te signale qu'il aurait pu envoyer son ult sur ta gueule, là. Bah c'est ce qu'il a fait. Mais non, Chacal l'a pas fait. Ah ouais, c'est vrai que t'es pas Diva, merde. Moi je regarde Diva et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et voilà, au moment où je vais changer de perso, bah...
Non mais je te l'ai dit tout à l'heure, je me fais voler Giva par un mec qui s'appelle Axel. Oui mais j'avoue, j'oublie, je suis tellement habitué. Derrière toi, mais ferme ta gueule. Et comment tu veux dès que je... faire foutre. Oh bah tiens, on est dans le même bateau. Une journée idéale pour foutre le boxon. J'ai vu qu'il l'avait retiré. Je crois que c'est même pas lui qui l'avait. Retourne au combat. On y va à l'ancienne. Faire battre par l'autre chacal quoi. Alors j'ai été symétra, je me faisais pas heal. Et maintenant que je suis mail et que j'ai besoin de pas me faire heal parce que j'ai besoin de moi-même pour un ult, on me heal. C'est du foutage de gueule. Voilà. Je suis mort. Mais putain Bob, t'es dans notre dos. Bob, beau gosse, qu'est-ce que tu fais là? Putain, ils auraient pas pu atteindre le point de contrôle, genre, deux secondes plus tard. J'étais en train de me reco, quoi. Non, non, mais dégage, dégage, fous-moi la paix. Niquez bien vos mères. Il y a personne pour les tuer. Si, c'est bon. Mais putain, pourquoi? Le Reinhardt, il avait plus de vie. Attention, ça va péter. Merci. Désolé. Heureusement. Et je suis mort. Par qui? Par Zarya, qui est sur le côté, que personne n'attaque. Les héros ne meurent jamais. Je ne vais pas me laisser abattre. Elle était littéralement juste à votre gauche, quoi, derrière vous. Ah ben je l'ai pas vu. Et elle a envoyé un rayon rouge sur ma tronche. Vous avez vu le rayon rouge, monsieur Frodon? Non, Sab. Allez, je l'ai. Waouh, ça a servi à rien. Ouais, parce qu'en plus, je voyais des gens que j'aurais pu abattre, mais le problème c'est que je pouvais pas rester parce que les mecs me tirent dessus depuis des planques. On est d'accord que le marteau de Reinhardt il est cheaté. Le mec te touche pas, mais tu crèves quand même. Ouais là j'étais pas touché. Genre je suis en l'air. Le mec fait un coup de marteau au sol, je me prends un coup. Et maintenant jamais c'est que tout le monde change de perso toutes les 5 secondes. Ce qui ne change rien étant donné que notre changement a apporté une défense un peu plus claire, mais eux tout ce qu'ils font c'est renforcer le stéréotype qu'ils se montrent. Le champ d'immortalité déjà il sert à rien. Tu l'as foutu au niveau où les ennemis ne sont pas. Attention. Ah merde. Ah non c'est toi, putain j'ai eu peur. Mais non! Et au moment où je l'explose, genre t'as un bouclier qui apparaît de nulle part. Je nous ai sauvés! Non, je nous ai pas sauvés. Bon, ça changera que je suis gold de partout et que je voudrais bien avoir. Je suis bronze de partout et deux fois argent. Ça veut dire qu'il y a un autre qui fait du boulot. Matrice amplificatrice déployée.
Tiens, un double kill. Je sens, je vais jeter un froid. Si jette-leur un petit froid. Casse les couilles ces deux-là. Ils sont où maintenant? Ils sont rentrés dans le bâtiment. Allez, niquez vos mères. Attention derrière toi. Ah non, c'est bon. Il y a pas pensé. Tiens, j'ai mon ult. Vas-y, vas-y. J'ai. Putain, je meurs comme une grosse merde, quoi. Vous vous croyez en sécurité, hein? Cicatrice déployée. Vous croyez en sécurité, hein? Non, j'hésite, est-ce que je saute sur Diva ou est-ce que je garde Mei? Et l'autre il. Bah, saute sur Diva, putain. Non, prends Mei. Mei est plus efficace en matière de défense. Parce qu'on on va être en avoir... défense. Oui, enfin, on va être non. En attaque. Non, mais on va avoir besoin de se défendre sur le convoi. Alors que l'autre, voilà. De toute façon, t'aurais pris Diva, le mec il a sauté dessus déjà. Ah mais j'aurais eu le temps. Je sais exactement où aller. Ouais ça y est, t'as l'ultra instinctif. Ta 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 LL. Ah écoute, j'ai pas le choix, y'en a ils font les bâtards. Donc Ah 90 RPZ. Je viens du 90. C'est bien un département. Je sais pas, ouais je crois. Je viens du 90 et je m'appelle Axel, donc mon pseudo est tout trouvé. Sincèrement, j'ai jamais compris c'était quoi le délire de mettre ton numéro de département dans ton pseudo. Même pour Fantasio 974, on s'en fout. Après, genre, je veux bien quand t'as un pseudo comme The Fantasio, quand quelqu'un l'a déjà pris, tu peux dire bah ouais, je vais mettre un numéro. Et oh, le numéro de mon département. Mais quand il s'agit de mettre ton nom, mais c'est un pseudo. Tu peux être imaginatif, Axel. Tu peux choisir quelque chose que les autres gens ne comprennent attends, pas. Attends, je t'explique un truc. Tu leur demandes trop parce qu'il s'appelle Axel. Pauvre petit, mais Axel, il y a des personnages importants qui portent ton nom, comme dans le jeu Guilty Gear. Même si c'est effectivement pas Axel, que c'est Axel R. Non, mais il doit sûrement pas connaître qu'il s'appelle Axel. Genre, et même dans Kingdom Hearts, il y a un Axel qui est super. C'est genre, il s'appelle Axel et son vrai nom c'est Léa. Bon, je déconne pas, hein. Le vrai nom du personnage Axel dans Kingdom Hearts c'est Léa. Parce que pour rappel, l'organisation 13, ils ajoutent des X à leur nom. Et dans. Truc là, je sais plus comment c'est. Dream. Sleep. Dream. Non. Birth by Sleep. On apprend que le jeune Axel s'appelle Léa. Et on le voit en tant que préado avant d'être premier, transformé. Tu as arrêté au pays d'Aladin. Dans quel premier? Ah, premier Kingdom Hearts. Non, mais c'est normal, tu t'es arrêté au pays d'Aladin, t'es malade ou quoi? On va pas chez les voleurs, nous. Ah écoute, j'y peux rien, j'étais bloqué. Et je me suis fait abattre. Putain, mais il s'acharne sur moi ici. Ok, j'en ai arrêté un. Il s'est pris dans mon piège, mais là il est sorti là. Et là tu me fais chier à boupe. On dirait que son boop il est limité. Dans ma ligne de mire. C'est le moment d'arriver mais pas en courant parce qu'il y a le but. Ah,
Malheureusement, il y a l'autre qui a décidé de buter deux personnes importantes. Ah putain, nique sa mère. Pourquoi il peut... Pourquoi mais chaque fois le mec au lieu d'aller sur le convoi. Bah, j'essaye d'aller sur le convoi, moi. Non, mais je parle pas de toi, je parle d'eux. Eux, c'est les ennemis, le convoi, on s'en bat les couilles. Non, moi, j'ai décidé d'un truc. Est-ce que tu pourrais m'énoncer où est le Reinhardt en ce moment? Là, je suis le convoi. Ok, donc on est d'accord, il est sur le convoi. C'est bon, il est mort. Quoi? Genre le mec, j'arrive avec mon ult en mode surprise dans ton dos et le mec il le démonte. C'est qui le boop là? Le chacal. Ah. Moi c'est Lucio qui me... Il a des boops inimités ce bâtard. Voilà. Alors est-ce qu'il y a une mise à jour et que ça boop Ok, t'as acheté un froid. Ah. Pourquoi il a pas été congelé lui? Il était dedans. Ouais, j'ai pas compris. Oh, yo. Putain, mais... Ouf, je suis hors en dégâts, ce qui prouve que je ne suis pas une sous-merde. Je suis bronze. Ce qui prouve que nous ne sommes pas des sous-merdes. Comme certains voudraient bien le croire. Car n'oubliez pas que nous sommes regardés par des millions de personnes qui sont en nombre de 3. Ah, je vais crever. Moi aussi, mais c'est pas pour autant que je veux pas crever. Oh. T'appelles ça du soin? Oh putain. Putain mais le mec il arrive à me poser des pièges et des trucs au moment où j'arrive. Moi si je fais ça genre le piège il est même pas encore ouvert. Vu qu'ils sont occupés avec tout le monde en bas, moi je vais monter, écoute. Ah bah. J'ai mon nul moi. Attention, ça va péter. Et merde. Non mais je suis en train de me faire toute la team là. Ouais je vois ça. Non mais tu peux me dire bonjour, c'est mort hein, connasse. Reinhardt. On va passer le mur du sang, amis. Envoyez du lourd. Le Reinhardt qui arrive jamais à mourir. C'est bon. Tu le congèles. Moi j'arrive et je lui saute dessus. Il perd rien comme PV. Attention, ça va péter. Tiens. Au-dessus. Je garde mon nul pour après. Il a survivanté de retour. Ça faisait longtemps. Ah. Elle est revenue pour nos péchés. Parce que dès que tu meurs, moi j'ai du mal. Et dès que je meurs, toi t'as du mal. Il y a peut-être une corrélation. Je passe argent en dégâts héros. Ah mais allez, on peut le faire 60 secondes quoi. Ouais.
Mais mon... Mais l'autre il dégomme mon ult. C'est quoi ce fils de pute? Le mec, je suis en train de faire mon ult. Il arrive par je ne sais quel miracle de planète inconnue à me foutre mon pneu mort. Allez. Y'a soldat, y'a soldat, y'a soldat. Putain, je suis mort. Mais j'ai emporté soldat avec moi. Allez, c'est le moment là, vous gagnez là. 94. Vas-y, envoie ton ult. Et congèle-moi tout ce merdier. Putain, le jeu il est pas congelé. T'es congelé, fils de pute. Elle était méritée cette victoire. Je la dédie à tous mes fans qui aiment ma musique. Et tu chantes pas? Oh, ah de qui fait beau, fait beau, fait beau. Putain, il y avait longtemps. Et on va voir les cuisses de veille. Et je l'ai poursuivi, c'est ça le pire. Et genre, non, regarde ça, regarde non, ça. Bon. Et t'as eu une autre parce que... Et j'ai eu meneur. Oh. Moi aussi j'ai eu meneur. Impeccable. Hook to no mail. You are shot. Buddy, no. You're the guru. You are shot. Woo. You're the guru. Sasuri tomato. No, no, mi, no, no, sutare. Ah, je suis en passé à 2024. Putain, j'ai que deux victoires sur mon planning, quoi. Va te faire foutre, va te faire foutre le jeu. Et donc voilà, ceci clôture cette session d'Overwatch. Alors il y en aura beaucoup d'autres, elles vont suivre. Et si ceci est la dernière, bah, vous le devriez le voir. Il sera écrit 6 sur 6 ou 7 sur 7, je sais pas combien de vidéos je vais faire. Donc à plus tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes. À nous liker tous les deux, parce que c'est un travail de coopération. Allez, à plus tout le monde. Salut.